toutes les composantes de la société burkinabé travaillent à compléter la constitution. Tous ont adopté dans ce sens l'avant-projet de charte devant servir de boussole à la transition politique. Cet avant-projet de charte prévoit 3 organes pour conduire le pays les 12 prochains mois. Le point avec Simon Gongo et Frédéric Etienne Bassenga. Les mains levées à l'unanimité pour approuver leur charte pour une transition politique, démocratique, civile et apaisée au Burkina Faso. En conclave depuis 48 heures, partis politiques, sociétés civiles et autorités religieuses ont examiné et retenu chaque article par consensus après parfois des débats houleux. Dans ce projet de charte qui comprend 24 articles, les 3 organes qui vont assurer la transition sont définis. Il y a le président de la transition qui sera choisi par un collège de désignation composé de 15 militaires, 15 politiques et 15 membres de la société civile. Ensuite, nous avons un gouvernement dans lequel nous avons dit que ce gouvernement ne devrait pas, outre le premier ministre, dépasser 25 portefeuilles. Cela pour tenir compte de la nécessité d'aller vite, parce que dans le cadre de la transition, on ne peut pas réorganiser les ministères, ça va nous faire perdre du temps. Et le gouvernement exerce les prérogatives qui sont celles d'un gouvernement tel que prévu par la Constitution. Et nous disons que les membres du gouvernement doivent avoir des qualités de compétence, être de bonne moralité et avoir la majorité civile. Le troisième organe, c'est l'organe législatif, l'Assemblée nationale de transition. Et cette Assemblée nationale de transition est composée de 90 membres dans lesquels il y a une répartition qui a été faite entre les partis politiques affiliés au CEPOP, 40 membres, la société civile, 30 membres, les forces armées, 10 membres et les autres partis, 10 membres. C'est ainsi que l'ex-majorité entrera le Parlement de transition à travers une représentation qui lui permettra d'avoir un groupe parlementaire et pourra participer. C'est ça, c'est à ce niveau que l'inclusion pourrait être faite. Contrairement à l'avant-projet de charte, ces députés qui seront choisis pourront prendre part aux prochaines élections, mais les ministres et le président de la transition n'y prendront pas part et cet article n'est pas révisable au cours de la transition. En plus de ces organes, ce projet de charte prévoit des commissions. Nous avons prévu une commission, de réconciliation nationale et des réformes, parce que nous pensons qu'il est très important que l'on ait la vérité, la justice et la réconciliation, et que l'on ne promeuve pas l'impunité. Et il y a une commission constitutionnelle, une commission de réforme électorale, une commission des finances publiques et du respect du bien public, et une commission qui vous concerne, une commission de gestion des médias et de l'information. Ce projet de charte sera remis aujourd'hui même aux militaires et une plénière sera organisée très prochainement pour sortir une charte consensuelle devant présider à la transition politique au Burkina Faso.